Dobrý den. Dobrý den. Hello Czech Republic, dobrý den. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va poursuivre notre série de réactions vidéo sur l'Eurovision avec cette fois la République Tchèque. Alors je suis très curieux de voir ce que ce pays nous propose cette année puisque la République Tchèque nous envoie quand même régulièrement des bops, c'est toujours frais, dansant. Et l'an dernier ça devait être Benny Christo qui devait représenter la République Tchèque avec la chanson Kemama, donc ça donnait ça. J'aimais beaucoup cette chanson puisque c'était frais, c'était rythmé, il y avait des petites ambiances africaines que j'aimais beaucoup. Et donc cette année, la République Tchèque a choisi de demander à Benny Christo de revenir avec une toute nouvelle chanson qui s'intitule Omaga. Alors Omaga, oh my god, peut-être, je sais pas, on verra. Mais du coup, on va regarder ça tout de suite et d'ailleurs, il y a un clip qui est sorti donc on va réagir à ça. Allez, c'est parti! Ah, oh my god. Pour l'instant, j'arrive pas à accrocher à la mélodie, mais on va voir. Oh, les Simpsons! Ok, je pense qu'il y a plein de références dans le clip en fait que j'ai peut-être pas capté. La Belle et la Bête. Le clip est pas mal, mais là c'est la chanson qu'il faut juger et. Il me faut quelque chose de plus. Ok. Bon. Je suis un peu déçu, je dois dire que je préférais de loin la chanson Kemama. Je trouve que celle-là, la mélodie reste beaucoup moins en tête, enfin il y a beaucoup moins d'originalité et je sais pas, c'est un peu plat je trouve. Après pour moi cette chanson je la rapproche un peu de TikTok d'Albina donc pour la Croatie où je trouvais que la chanson était un peu facile, bah voilà, c'est pareil pour ça. Donc s'il vous plaît, me tuez pas dans les commentaires, c'est que mon avis mais voilà. Donc je suis pas hyper fan, je trouve qu'il n'y a pas une mélodie qui vraiment est originale, les paroles sont un peu basiques. Mais après, bon, le bon côté, c'est que bah, c'est des chansons qui sont simples à appréhender en soirée, on peut facilement danser dessus, voilà, il n'y a pas trop à réfléchir. Mais pour moi, pour atterrir dans mes favoris de l'Eurovision, il faut un peu plus, soit il faut un peu plus de fond, soit il faut que la mélodie soit un peu plus originale, enfin quelque chose qui retienne mon attention, et là, c'est pas le cas, malheureusement. Après, il y a moyen qu'en live, ce soit un peu mieux, parce que je sais que c'est un bon performeur, s'ils nous font une mise en scène bien colorée, etc., ça peut peut-être passer, mais ça fera pas un top 10, par exemple. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la chanson, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait. En attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hop, c'est fini.